Salut, c'est Kalyana et on est de retour dans Far Cry New Dawn. Donc, la dernière vidéo, on s'était fait agresser par les deux sœurs. Donc, on doit aller chercher. Oui, on doit aller. Non, c'est pas ça. On doit aller rencontrer le Nouvel Éden, donc Joseph Seed. Mais avant, on va aller chercher Horatio. Donc j'ai fait évoluer mes armes, hein. J'ai ma lance-scie au niveau 3, ça au niveau 2, comme vous voyez c'est très efficace, et un fusil sniper au niveau 3 avec un silencieux et une arme niveau 2, une arme de poing. Oula, il y a un trou. On va essayer de descendre sans se péter les genoux. Hop. Hop. Petit caribou. Pas de truc intéressant là. Voilà. Est-ce que j'ai des medikits? Ouais, c'est bon. Là-bas. Que je sache combien il y a de... Les deux, hein. Est-ce que je peux l'avoir? Voilà. Lui là-haut. Occupe-toi de lui. Voilà. Mais j'ai pas eu. Dans le mur. Du scotch. Ah.
coach. Lui, je l'ai payé. Ça, ça s'ouvre pas. Encore du scotch. Ratio. C'est ma cognée. Ouais. Encore du scotch. Hop. Je vais pas prendre son arme, je vais juste le plier. Voilà. Mais elle a l'air bien énervée. Alors. Tu veux pas te pousser un peu? Allez, dégage. Alors, un cochon pareil, a rien à foutre chez les fumiers. C'est du putain de gâchis, sur mes mesures comme plan principal. 6 de nos hommes. Reviens! Qui c'est qui s'énerve? Gros lard, c'est méchant. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Il voit ce bouclier. Quand ration fausse sur un porteur de bouclier, il lui fait lâcher prise, ouais. Endurance de cochon, quand ration est blessé, il peut se remettre sur pied sans votre aide. Ça, c'est bien ça. Rage porcine, en colère, ration détruit tout sur son passage. Mais il est très bien ce petit cochon. Donc, allez, viens, Horatio. On va aller voir le nouvel Eden. Ça commence à devenir un peu... Ah, zone de radiation. C'est, on passe de Far Cry à Fallout.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on traverse? Là. Ouais, non. Peut-être prendre le bateau là. Je vais juste récupérer les fleurs bleues. Voilà. Voilà. J'avais pas souvenir qu'il y avait cette statue. On ira la voir après. Hop. Si, hein, pourquoi tu t'énerves? Ah oui, c'est le truc de... C'est son repère. Oh, ben donc. Hop. Traverser là. Allez, montre ce que tu sais faire, Horatio. Mais oui, on va te libérer, t'inquiète pas. Tu dois m'aider. Je suis heureuse que tu sois venue. Voilà. C'est un peu flippant quand même. Mais.
faut aller par là. Ah, apparemment ils font un barbecue. Tant qu'ils font pas griller mon cochon. Bah vas-y, coupe-moi la route. Toc toc. Salut. Ok. Entends-tu ma voix? Oui, je t'entends. Waouh. Il est en train de foutre le feu partout. Va là où tout s'est terminé. Et où tout a commencé. Ok. Alors, c'est où? C'est où? Ah, c'est là. Ah, c'est l'île où il y a le bunker. Ah, ok. On peut y aller par la terre, c'est bon. C'est ces trucs-là. Ah, c'est des chiens. Allez, attaque. Ah ouais, hein, c'est pas un chien. Hein. Quand vous voyez qu'ils se prennent des bagnoles et que la bagnole elle est défoncée mais que le sanglier va bien. Hein. Bonjour. Et... du butin. Alors ça, je vais les vendre. Le poteau, c'est du titane. Voilà. Ça, c'est très très moche. Charger munitions. Voilà. Ouais, mais ça me coûte du pétrole. Je peux pas vous l'échanger contre autre chose? Non. C'est du super matos. Amuse-toi bien. Bonjour, madame. Salut mec. Chut, profite.
Pourquoi il m'a dit salut mec? Quoi ça? Chien sauvage. Ami ou ennemi? Ennemi, ennemi. Vas-y, je m'occupe du mec. Je suis trop loin. Mais ton putain de cochon! Oui, mais il est efficace, mon putain de cochon. Chose à piller. Hop, 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 hop. Oh, ce bruit. Oui. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Hey, monsieur, vous jouez au pendu? C'est qui? Ou alors, en général, quand ça fait ça, c'est pas bon. Voilà, les deux. Et deux, deux. Joseph Seed. Certains ici m'appellent le Père. Voilà des années, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit qu'un chemin difficile nous attendait. Je l'ai suivi tout du long. Jusqu'au bout. Jusqu'à un nouveau départ. Garde ton esprit ouvert. Recompose le passé. Oui, attends. On fait une petite sauvegarde. Voilà. Tu dévoileras la vérité. On va pas recommencer les boss de Far Cry 5, j'espère. Voilà. Inspecter les poutres. Du Seigneur. Alors... Seuls ceux qui ont compris les signes ont été épargnés. Alors attends, il faut...
faut que je me place. Merde. Merde. Et dans les cendres est né le nouvel Éden. Poursuivre ah oui. La voie. Donne aux flammes tout ce qui n'est pas nécessaire. Alors, attends. Je pensais pas que ça allait m'exploser en pleine figure. Voilà. Voilà, un petit peu par là. Ouais, je monte là-dessus en fait. Voilà. Non, c'est trop haut. Poursuivre la voie. Donne aux flammes tout ce qui n'est pas nécessaire. La flamme de l'Éden brûle les péchés qui pourraient s'imposer à nous. Par contre, je vais me refaire un medikit. Voilà. 184 et 288, on va aller par là. On va ramasser. Ça. Ils ont tout brisé en morceaux. Mais nous avons tenu bon. Il manque un bout. Il manque un bout. Ah. Tu dois détruire tout ce qui gêne la vérité. Là, c'est trop. Nous seuls sommes assez forts pour vivre dans ce nouveau monde que Dieu nous a donné. Ok. Et laisse-toi accueillir par notre nouvelle Éden. Je ramasse, hop, hop, j'arrive, hein, je ramasse, hop, hop, je sens le vent du changement. Il n'y a rien. Notre unique choix est de nous détourner du passé. Et là, il y a un truc qui clignote. Ok. J'ai quoi comme amulette ?
Regarde comme le passé et le présent s'alignent avec le cercle du temps. Et là, il y a des bouts. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'intérieur de la maison? Ah mais, rentre dans la maison. Voilà. Voilà. Non. Chaque fragment doit être à sa place, jusqu'au dernier. Rien ne doit manquer. Mais il manque des boules. Là. Mais... La civilisation a follement sombré jusqu'au chaos. Et nous seuls avons survécu. Ah, ça le fait tourner. Ah. Ok. Donc. Non, c'est pas cela. Voilà. Donc, là, j'ai les trois machins. Regarde comme le passé, voilà. Le présent, s'aligne avec... Notre ancienne vie nous a conduits à la ruine. Pour avancer, nous devons vivre sans péché. Est-ce que tu comprends? Dieu a purifié le monde du péché. Il est toujours là. Le péché est dans notre sang, notre chair, nos âmes. Tu permets, je récupère le scotch. Dieu m'avait annoncé l'effondrement. J'ai réuni ma famille pour nous y préparer. Ça a surtout fait péter une bombe atomique, mon frère. L'enfer avait suivi le cheval blanc. Celui qui ne pouvait pas s'enfuir. Il me moque un roulet de scotch. Et mon chemin, c'est fini ici. Ah. Entre ces murs. Voilà. Mon adversaire d'alors est devenu mon unique compagnon. Vous avez dû vous faire chier. Au lieu de ça, je l'ai pardonné. Et je lui ai donné un nouveau but. Ça a surtout fait un remake de Fallout. Voilà, c'est tout ce que t'as fait. Oh, c'est joli. Bon, entrons dans le bunker. C'est rose, hein. Pas que j'aime pas le rose, hein, mais c'est très très rose. Bonjour, il y a quelqu'un? J'ai cru que j'avais rempli mon obligation envers Dieu. Mais qu'est-ce que tu crois? J'avais une dernière chose à me dire. Et Dieu, il te lâche pas comme ça, hein? On prend la bleu bille.
serait digne. Attends. Qu'est-ce qu'il dit ? La culpabilité ronge l'officier. Qu'on a compris, essentiellement. Drôle ce saut. Je suis où là? Bon, on a retrouvé Cochenou. Ensuite. Faut retourner là. Ah, mais ils sont casse-couilles, ces poissons. Thank you.
Où ils font toujours leur barbecue, il y a une petite roue. Ah, ils sont bien installés quand même. Bon, re-toc-toc. Ah, j'ai fait moumuse avec vos trucs là. J'ai la blobby. Bonjour, rangeur masqué. Suivant. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, le livre a été retrouvé. Oui, j'ai marché sur la petite fille. Ça fait très Far Cry Primal, ça. Le livre a été trouvé. Le livre. Et la porte, le livre à Ethan. Non. Je sais, Horizon Zero Dawn. C'est quoi ce truc? Ah, j'ai des petits moutons. Ça va le portrait de soi-même? Je ne t'imaginais pas comme ça. Moi non plus. Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, bien. As-tu trouvé le livre? Sais-tu ce que tu m'apportes? La parole de Joseph. Ses idées, ses conseils, son savoir. Et sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu pour régner pleinement sur l'Éden. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand il est parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs. Pas mon père, moi! Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Ah, mais c'est moi le patron maintenant. Tu es venu chercher son aide. Mais Joseph est mort. Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Ah merde. La famille croit encore en lui et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un messie. Qu'il n'était qu'un homme. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort. Et j'aiderai ton groupe. Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. Les gens connaissent cette marque. Ils
te mèneront à la flamme. Non mais il m'a pas fait faire assez de conneries, ton daron, là. Qu'est-ce qu'il y a, Dark Vador? Un problème? Tu as beaucoup à prouver ici. Bon, ouais, ça va. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait de mon cochon? Tu es peut-être la réponse à vos prières. Là, je prends ça. J'en ai pas besoin. Mes camarades commencent à parler de toi. La flamme doit être rallumée. Tu permets, je pille ta baraque. Pardon. Vous avez été désigné. Pardon. J'espère qu'Ethan acceptera d'envoyer quelqu'un chercher le père. Nous devons reprendre notre terre sacrée. C'est marqué là-dessus. Ouais. La flamme doit être rallumée. Oui, oui, bon, on se calme. Je sais reconnaître les signes. Ethan vous a désigné. Vous souhaitez rallumer la flamme du Nouvel Éden. Les ravageurs qui ont envahi nos terres l'ont éteinte. Elle se trouve au pied de ce qu'il reste de la statue de Joseph, renversée par un pêcheur il y a bien longtemps. Vous y croiserez un groupe d'élus. Ils vous aideront. Détruite au bazooka par un pêcheur, ouais. On dirait que notre famille vit un moment déterminé. Voilà. Bah, je rentre chez vous, hein. Bon.